La télé d'ici sur NCI reste forcément fidèle à l'actualité, le coronavirus, encore appelé le Covid-19. L'appareil productif national est évidemment frappé de plein fouet, et particulièrement les petites et moyennes entreprises. Ce soir, justement, on va essayer de parler de l'impact du Covid-19 sur l'activité de ces PME. On aura beaucoup de plaisir à recevoir dans quelques petites secondes seulement Awa Fofana, membre de la Fédération nationale de l'industrie touristique, et Augustin Dago Sirikpa, administrateur de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la FIPE. Pour le volet artistique de la télé d'ici, on recevra Mélissa sur la scène de la télé d'ici qui nous offrira deux prestations, dont un titre tiré de son répertoire et une reprise notamment en hommage à M. Papa Wemba, Maria Valencia, titre culte du répertoire de ce grand nom, de ce grand visage, cette grande figure de la musique africaine. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on va parler justement de la situation des PME, les petites et moyennes entreprises, dans le contexte de la crise sanitaire que vit le monde entier, et particulièrement la Côte d'Ivoire. On a beaucoup de plaisir d'être ce soir avec Awa Fofana. Vous êtes membre de la Fédération, la Fédération nationale de l'industrie touristique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci également à Augustin Dago Sirikpa. Vous êtes administrateur de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci à vous. Bonsoir Princesse, bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Augustin Sirikpa, j'ai lu juste avant cette émission une étude qui a été publiée par le cabinet américain JP Morgan Chase qui dit succinctement, une PME peut survivre en moyenne 27 jours sans aucun revenu. Partagez cet avis ou, dans votre cas, vous, vous pensez qu'une PME ivoirienne peut tenir combien de temps dans un tel contexte sans revenu? Mais c'est une étude qui a été faite, donc nous n'avons pas fait une autre étude. D'accord. Pour comparer. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les PME ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a différentes activités. Mmh. Une PME, c'est une organisation, c'est un statut juridique. D'accord. Donc, si on est avec madame ici qui est dans le tourisme, les réalités qu'elle vit, ce n'est pas ce que quelqu'un qui est dans les services Absolument. Vit. Absolument, c'est cela. Par exemple, nous autres, nous sommes dans les services, nous intervenons dans l'énergie. Mm. Or, que toutes les activités soient arrêtées, mais l'énergie fonctionne comme les pompiers, comme les médecins, donc il n'y a pas d'arrêt. D'accord. Donc, la vie de la PME en de services en énergie et la vie de la PME dans le tourisme ou l'hôtellerie ou dans le petit commerce, ce n'est pas la même chose. Donc, la comparaison est difficile à faire. Est-ce qu'il y a certaines PME pour lesquelles les activités, au contraire, connaissent un certain relent avec cette situation? Mais tout à fait. C'est l'exemple palpable que je vous donne. Actuellement, il y a des dérogations qui sont faites pour que les entreprises qui interviennent auprès de la CIE et de la SODECI puissent mener normalement leurs activités. Puisque tant que ces entreprises ne fonctionnent pas normalement, mais la vie va connaître un réveil, il n'y aura pas de fonctionnement normal, puisque étant confiné, on a besoin de l'énergie, on a besoin Absolument. D'eau. Absolument, c'est clair. Donc, Awa Fofana, par contre, chez vous, l'activité est totalement à l'arrêt. Ah oui, chez nous, l'activité est totalement à l'arrêt. Comme vous dites, depuis le début de cette pandémie, en Chine déjà, on a vu notre chiffre d'affaires baisser progressivement avec l'annulation des vols.
d'une destination à une autre jusqu'à l'arrêt total de nos activités. Par contre, ce que nous déplorons, c'est par rapport à certains membres de notre secteur, tels que les restaurateurs à qui on a demandé de fermer carrément, alors qu'on aurait pu leur permettre de continuer de fonctionner et de faire fonctionner leur cuisine, donc de faire de l'emporter, de permettre à une certaine population aujourd'hui qui n'a pas forcément l'équipement chez lui pour manger. Il y a des gens qui mangent tous dans le dehors, qui mangent dans les restaurants. Oui, parce que les activités continuent. Les activités continuent, donc ils auraient pu permettre à ces restaurateurs-là de continuer de faire fonctionner leur cuisine et donc de servir à manger à ceux qui peuvent venir prendre à emporter, comme on fait le rang devant les supermarchés pour prendre des vivres et autres. Est-ce que dans le cadre de votre fédération, vous avez porté ce message aux autorités concernées? Oui, ça a été fait et on l'attend. Ah, vous attendez toujours? Ouais. D'accord, très bien. Je propose qu'on regarde ce reportage diffusé dans le cadre de NCI News sur NCI, naturellement, qui plante un peu le décor sur la situation des PME à la faveur ou dans le contexte de cette crise sanitaire. On regarde tout ceci en 1 minute 43 secondes et on revient juste après pour le débrief. S'unir pour résister à la crise sanitaire du coronavirus, c'est le leitmotiv de la plateforme des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Réunis en conclave restreint ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau, ils ont ébauché des solutions alternatives pour faire front au Covid-19. Une épidémie dont les restrictions sanitaires et sécuritaires ont mis leurs activités à l'arrêt. Les PME souffrent parce que notre économie est constituée pour la plupart de PME. Et donc nous nous sommes retrouvés pour faire le point de la situation par secteur d'activité, par voir les difficultés que les uns et les autres ont, et puis pour apporter des propositions concrètes au gouvernement, participer au débat en apportant des solutions concrètes. Pour ces opérateurs asphyxiés, plusieurs mesures s'imposent pour leur permettre de se remettre à flot. Dans cette dynamique, ils appellent à la solidarité économique à travers le paiement de leurs factures par les grandes entreprises. Il faut demander aux grandes entreprises, c'est là, nous sommes dans la solidarité économique, de payer des factures des petites et moyennes entreprises. Même si ces factures ne sont pas arrivées à maturité, même si ces factures ne sont pas arrivées à échéance, il faut payer pour soulager la trésorerie de ces PME-là. En le faisant, c'est un acte solidaire, c'est un élan patriotique. La plateforme des petites et moyennes entreprises se présente comme la fêtière des acteurs du monde économique ivoirien, employant moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Ces opérateurs exercent généralement dans l'hôtellerie, la billetterie, la pâtisserie, l'artisanat ou encore la restauration. Alors Augustin Seripa, est-ce que les grandes entreprises ont répondu favorablement ou pas à cette alerte, cri de cœur? Non, pas encore. Nous sommes dans l'attente, comme le disait ma voisine. Vous savez, tout est tellement parti vite. Nous sommes toujours en mars. Or, ça a commencé dans la deuxième semaine de mars. On est à fin mars. Ça a commencé en décembre, on va dire. Et les mesures, donc l'état d'urgence, était décrété en mars pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Oui, ça a commencé en décembre pour le secteur du tourisme. Mais pour les autres acteurs, véritablement, ça s'est ressenti à partir des mesures qui ont été prises par les autorités. C'est ça. C'est pour cela, nous disons, véritablement, tout le monde a été touché, concernés à partir de mars. Y compris les grandes entreprises. Y compris les grandes entreprises, parce que les employés qui interviennent dans les grandes entreprises sont soumis au respect des décisions qui ont été prises. Absolument. La majeure partie des grandes entreprises travaillent en quart, comme on l'appelle, c'est-à-dire tournent 24 heures sur 24. Mais s'il n'y a, a pas de mouvement de 21 heures à 5 heures, hors le deuxième quart commence, pour ne pas dire le troisième quart commence, parce qu'on appelle quart, normalement on aurait dit tiers, mais c'est un langage français qu'on utilise en disant quart. On parle des quarts, c'est le personnel. Hein. Voilà. On divise la journée en trois. Y en a qui commencent à 7 heures, qui finissent à 14 heures, d'autres à 14 heures, qui finissent à 20h30, des autres à 21 heures et qui finissent à 6 heures du matin. Mais comprenez que la troisième partie de la journée, les gens ne peuvent pas travailler. Parce que
Oui, ça c'est un fait, c'est même voilà, manifeste. C'est un fait. Donc les grandes entreprises ne sont pas non plus logées à une enseigne meilleure. Non, les grandes entreprises fonctionnent, mais elles sont obligées de réduire leurs activités. D'accord, mais elles réduisent le personnel. Oui, mais dans une telle configuration, comment demander à ces grandes entreprises de payer vos chèques alors qu'elles-mêmes, financièrement parlant, ce n'est pas la grande santé. Mais ce n'est pas la même chose. Les grandes entreprises font des chiffres d'affaires importants. Ces mêmes grandes entreprises ne fonctionnent véritablement qu'avec l'appui des petites entreprises. Et ces petites entreprises qui interviennent au niveau des grandes entreprises, généralement, je dis bien généralement parce que ce n'est pas totalement, ces grandes entreprises préfinancent les activités dont bénéficient les grandes entreprises. C'est cela. Ces PME préfinancent donc les activités dont bénéficient les grandes entreprises. Tout à fait. Donc, si les grandes entreprises ne réagissent pas favorablement, mais les PME seront asphyxiées, elles n'auront plus les moyens. Mais ce que vous demandez précisément, c'est que vous dites, même pour des dettes qui ne sont pas arrivées à maturité. Tout à fait. Tout à fait. Puisque généralement, les factures qu'on adresse, on nous dit que ça sera payé dans 120 jours, dans 90 jours. Mais étant donné qu'aujourd'hui, l'activité des PME est réduite de 60 à 100%. En fonction des domaines. En fonction des domaines. Mm-hmm. Mais si la PME ne peut réagir que l'oxygène que doit apporter la grande entreprise. Absolument. C'est-à-dire, étant donné que la grande entreprise ne peut pas dire, bon, je vous prête, alors tout ce qu'on peut demander à la grande entreprise, ce que vous me devez qui est chez vous, anticipez, n'attendez pas forcément vos 120 jours, vos 90 jours. Deux fois même, ça va au-delà, ça va à 3 mois. Donc, au niveau de la FIPME, quelles sont les alternatives que vous proposez en dehors de celle-ci pour un peu bypasser la situation statu quo? La première préoccupation de l'employeur, c'est de payer ses charges fixes, c'est-à-dire les salaires, les impôts, la cotisation sociale, et puis faire tourner parce qu'il faut payer le carburant, il faut payer le déplacement, il faut payer le petit matériel, il faut payer le matériel d'intervention. Mais nous sommes à fin de mois aujourd'hui. Les marchés commencent à fermer. Donc, les travailleurs, les PME sont stressés, elles ont besoin des moyens pour faire leurs provisions. Les PME n'ayant pas suffisamment de moyens, n'ont pas anticipé en disant aux travailleurs, prenez déjà ça pour faire vos provisions. Donc, c'est la fin du mois, il faut payer. Mais si la PME n'est... Généralement, la PME court vers les grandes entreprises, court vers ses fournisseurs, ses clients, comme on les appelle, mais si on est confiné, on ne peut plus sortir, on va courir comment pour avoir l'activité et pouvoir la facturer. Donc, ce qui est déjà en cours, c'est ce que nous demandons, que ça soit réglé pour qu'on puisse honorer déjà le minimum qui est les salaires et puis demander à l'État, c'est que la demande a été déjà formulée, soyez rassurés. D'accord. Que soit, bon, à défaut... On n'était pas très inquiets, mais bon. Voilà. À défaut d'annuler les impôts de ces deux derniers mois, de les reporter à des dates... Alors, vous sortez quand même un terme très clé. Vous parlez d'annulation des impôts, vous ne parlez pas de gel. Ce que gel voudrait dire, on le met en stand-by, le temps de voir un peu plus clair dans la situation, et après, donc, on peut réactiver le prélèvement des impôts et tout. Non, vous parlez d'annulation carrément. Mais bien sûr. D'autres pays ont fait des efforts... Mais on peut aussi copier ce qui est bon. Alors, Fofana, vous partagez cet avis. Je sais que c'est l'avis, en tout cas, de la CGCI, la Confédération des grandes entreprises également de Côte d'Ivoire. Nous, on parle d'annulation des impôts, au moins sur la période de l'arrêt d'activité. D'accord. Il n'y a pas d'activité.
D'accord. On paye les impôts, on ne peut pas payer. Il n'y a pas d'activité, ça dépend. Il y en a qui travaillent et qui travaillent même bien, d'ailleurs, dans ce contexte, comme l'a rappelé d'ailleurs Dago. Ils ne sont pas nombreux. Hein. Oui, donc est-ce qu'il faut prendre une solution pour tout le monde? Il faut prendre une solution pour tout le monde. Il faut globaliser. Parce que ceux-là, même, comme je disais, ont leurs activités qui baissent, à part ceux qui sont spécialement dans l'énergie, à combien d'entreprises. Est-ce que ça, c'est pas quelque peu unfair, c'est pas quelque peu injuste? Vous avez d'un côté des PME pour qui continuent leur activité, normalement d'ailleurs, hein, entre 8h et 18h, et qui ont donc des revenus conséquents, subséquents, et ceux qui ont complètement cessé de travailler du fait de la situation, et après vous demandez de l'annulation pour tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire quelque chose de... Enfin, personnalisé, j'ai envie de dire. Non, monsieur Cheikh Ivan, sachez que ces entreprises qui ont l'avantage de profiter de la situation aujourd'hui, ces entreprises sont infimes. Là, on nous disait... Oui, mais Awa Fofana, elle est dans le tourisme, elle a complètement arrêté son activité, les restaurants sont fermés, on ne lui donne pas la possibilité même de faire des plats emportés, comme elle l'a dit et tout, enfin, de la livraison à domicile ou sur lieu de travail, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Mais nous avons le même problème, un peu. Je voudrais développer, si vous permettez. Vous comprenez que avant, les employés se restauraient là où ils vont intervenir. Mmh. Aujourd'hui, tous les petits coins sont fermés, tous les restaurants, parce qu'ils mangeaient en fonction de leur bourse. Aujourd'hui, l'employeur est obligé de trouver une solution pour que ces intervenants, ces employés soient efficaces au travail. D'accord. Et pour qu'ils soient efficaces, il faut préparer la pitance. Donc, ça devient des dépenses supplémentaires pour l'employé. D'accord. L'employeur, du moins. Et il doit préparer, il doit trouver un moyen d'approvisionner ses travailleurs sur les chantiers pour pouvoir tenir le coup. OK. Pierre, il y a une pétition qui a été lancée. Alors oui, donc comme on rappelait, c'est une situation qui touche énormément d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises. Donc il y a une pétition qui a été lancée par Loza Maleombo, qui est une styliste bien connue de la place, et donc qui nous a envoyé ce petit message pour nous expliquer pourquoi elle a décidé de le lancer et pourquoi elle pensait que ces mesures pouvaient s'appliquer à la Côte d'Ivoire. On est tous concernés par la crise sanitaire qui est en cours en ce moment, mais une crise sanitaire qui est également une crise économique et qui peut très facilement se transformer en crise humanitaire si nous ne prenons pas des mesures très rapides. Et donc je pense que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier au fait que nous avons cessé ou fermé nos activités dans le but d'empêcher la propagation du virus en Côte d'Ivoire et afin de respecter les mesures qui ont été prises par l'État. Et donc en conséquence, beaucoup d'entre nous, voyant notre activité diminuer ou ralentie ou même complètement en cessation, donc voilà, pour moi, la suite logique, c'est de pouvoir empêcher cette crise économique de devenir beaucoup plus grave. Donc voilà. Pourquoi j'ai commencé cette pétition-là. Alors, j'ai lancé cette pétition il y a 2 jours et nous avons à peu près 1500 signatures, un peu plus de 1500 signatures, que je trouve assez faibles parce qu'on peut compter entre 30 000 et 40 000 petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'on est tous concernés, tous les domaines, tous les corps de métier sont concernés. Autant les métiers de divertissement que les métiers créatifs, métiers dans la technologie, communication, des industries de services, l'industrie événementielle, l'industrie de divertissement, ça nous concerne tous. Et je pense qu'on a tous une démarche active à prendre et non passive face à cette situation. Et donc s'il n'y a pas de mesures prises directement par l'État, nous devons de porter nos voix justement pour clocher l'alarme et dire écoutez, on est là, il y a une situation qui se passe, nous sommes bien conscients qu'il y a une situation d'urgence sanitaire, mais qui peut devenir beaucoup plus grave si des mesures ne sont pas prises à notre niveau. Voilà. Donc lorsque vous allez sur la page justement de la pétition, vous constaterez
que cette pétition concerne tous les corps de métier et tout, dans toutes les industries que j'ai citées auparavant. Dans les commentaires, vous avez des personnes qui disent clairement qu'elles sont affectées par la situation et à quel niveau elles sont affectées par cette situation. Et je pense que c'est assez concret et révélateur de la situation actuelle. Voilà. Donc, est-ce que je pense que ce sont des mesures réalistes ? Absolument. Je pense que c'est le minimum de mesures à prendre. On ne demande pas d'accompagnement financier, bien que un accompagnement financier serait bienvenu pour beaucoup d'entre nous. Mais je pense qu'au minimum, un report des impôts, une réévaluation des impôts, ou une annulation complètement des impôts pendant toute la période pendant laquelle la Côte d'Ivoire se trouve en état d'urgence, pour moi, c'est logique. Voilà, Loza Maliombo, styliste, donc femme d'affaires, PME, voilà, qui partage la même position que vous finalement, qui propose même d'ailleurs trois voies, hein, trois alternatives, soit le report des impôts, soit la réévaluation des impôts ou tout simplement l'annulation. Bon, c'est une idée qui avait été mise notamment par Dago Célikoua Princesse. Mm-hmm. Quelles sont les mesures appropriées que vous avez identifiées pour justement l'accompagnement des entreprises ? La première mesure, comme je le disais, il faut enlever le stress à l'employeur. Le stress, c'est quoi? La pression fiscale. Ici, on ne parle plus de pression, mais enlever, hein, et annuler carrément... Tout ce qui est lié à la fiscalité. Voilà, il faut annuler. Parce que quand on n'annule pas, on aura l'impression après que c'est de l'incivisme fiscal. Pourtant, ce n'est pas cela parce que les gens n'auront pas les moyens d'honorer leurs engagements. Mmh. Ça, c'est un. De deux... pour ceux qui sont des entreprises qui facturent la TVA, ces entreprises-là, ils me comprendront. La fiscalité est fonction de l'activité, hein, du chiffre d'affaires. Absolument. Donc, si votre chiffre d'affaires est faible, mais vos impôts que vous payez sont faibles. Si vos chiffres d'affaires sont élevés, les impôts que vous payez sont élevés. Et l'administration publique le sait. Oui. Donc, si actuellement tout est au point mort, ça sera la fiscalité, ce qu'on appelle les taxes fixes, c'est ce qui va être payé. C'est cela. Mais ce qui fait vraiment le volume... La TVA. La TVA, mais il n'y a pas eu de facturation. Oui, ça c'est réglé, vous n'avez même pas besoin de l'intervention Non, j'en viens. Oui. Mais il faut bien trouver l'argent pour payer les taxes fixes. Oui, d'accord. Donc pour si vous en fait, l'annulation que vous demandez, c'est les taxes fixes. Nous demandons pour faciliter la tâche, pour éviter qu'on ait l'impression à l'avenir qu'il y a l'incivisme ou bien manque de volonté. Oui. Vaut mieux annuler carrément. Alors, est-ce que vous n'enfoncez pas une porte entrouverte, puisque le chef de l'État, effectivement, dans son discours à la Nation, avait quelque peu insinué des mesures d'accompagnement des acteurs donc, de l'appareil productif national. Bon, il n'a pas dit clairement, c'est clair. Nous voulons l'encourager du lobbying. On a bien compris. De quel type de soutien vous avez réellement besoin? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est une suspension des charges? Est-ce que c'est fiscal? Merci. J'avais déjà relevé le premier point, parce que c'est la fiscalité qui est la pression qui fatigue le plus l'employeur. Mm-hmm. Donc, si c'est réglé avec les charges sociales, c'est-à-dire payer la CNPS ou bien c'est grave comme les gens l'appellent, ce qui est important, c'est pour nous permettre de tenir et permettre à nos employés de vivre. Or, pour leur permettre de vivre, il faut qu'on ait une trésorerie. D'accord. Et comme on ne peut pas dire à l'État, prêtez-nous de l'argent, mais on aurait souhaité que l'État fasse un voie et puis fasse un effort par rapport aux déclarations, parce que les gens ne peuvent pas déclarer des chiffres exorbitants. Mm-hmm. L'État a déjà le fichier, puisque chacun a déclaré ses employés. En ligne, en plus. En ligne. Donc, l'État pourrait voir comment aider à soutenir les employeurs des PME, dans les charges salariales. D'accord. Et puis, l'autre élément, justement, on insiste, que les grosses entreprises qui ont beaucoup de possibilités en matière de finances aident. On ne leur dit pas de faire cadeau.
Payer ce que vous devez, payer ce que vous devez. D'accord, très bien. On va y revenir, Dago Sélik. On marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière pour la suite de cette entrevue consacrée donc à la situation des PME dans ce contexte de crise sanitaire. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle de la situation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dans ce contexte de crise sanitaire. Mais avant, l'actu d'ici, c'est évidemment le point de situation conjointement animé par quatre ministères impliqués dans la riposte face au Covid-19. Le point donc datant d'hier dimanche, 25 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés, ce qui porte donc le nombre total de personnes infectées à 165, dont 4 cas guéris. La fausse note, la note sombre, c'est évidemment donc ce premier décès enregistré en Côte d'Ivoire, un décès enregistré après autopsie, donc post-mortem. C'est toujours bon de le préciser. Évidemment, la situation a suscité une sorte de solidarité un peu partout, avec notamment l'implication des people. On vous propose de regarder ce message d'Alpha Blondy, la star du reggae, qui invite justement à une prise de conscience et aussi au respect des mesures et des exigences sanitaires imposées par les autorités. On regarde et on revient juste après. Bonjour à tous mes frères et à toutes mes sœurs du monde, d'Afrique et d'ailleurs. Je voudrais vous parler du coronavirus. C'est très, très, très grave et c'est très, 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 très sérieux. Je vous demande à tous de respecter les consignes que nos gouvernants respectifs ont donné, parce qu'ils sont comme vous et moi. Ils ne sont pas assez informés. Personne n'a le médicament. Les médecins qui doivent nous soigner sont désespérés. Il y a plus de 2 milliards de personnes confinées. Ça veut dire que les infirmiers, les infirmières, il n'y en aura pas assez. Et pour le moment, ceux qui prétendent avoir des médicaments, ceux sur qui on compte sont en train de se discuter. Alors, je vais vous dire ceci, mes frères et mes sœurs. Ils ont dit, si tu veux tousser, tu fais comme ça. Tu tousses. Si tu veux éternuer, tu fais comme ça. Et tu éternues. Et si tu dois te moucher, prends un papier et tu te mouches. Et après, tu essuies, si tu as une poubelle, tu mets là-dedans. Mon frère, si tu as un masque, porte-le. Si tu n'as pas de masque, c'est pas grave. Si tu as des gants, ok, porte-les. Ok, en attendant qu'ils finissent de discuter entre eux. Parce que même eux, ils ne connaissent pas. Parce que c'est une première mondiale. Je vais vous dire la vérité, c'est une guerre biologique. À la guerre comme à la guerre. Je voudrais surtout que nous encourageons ces mains invisibles qui travaillent, qui sont au front, en première ligne. Les infirmières, les nettoyeurs des salles, ceux qui vont nettoyer les rues, la police, la gendarmerie, les militaires qui sont au front, eux aussi ont des familles. Eux aussi peuvent tomber malades. Et puis donc, quand on nous dit d'être disciplinés et de rester en place, c'est pour les aider à nous aider. On a le devoir de les protéger en respectant les consignes de sécurité, de confinement. Donc, je compte sur vous. C'était donc l'invitation d'Alpha Blondy au respect scrupuleux donc des consignes édictées par les différents gouvernements à travers le monde. Alpha Blondy qui parle notamment de guerre biologique, à la guerre comme à la guerre. Alpha Blondy qui appelle surtout donc à la discipline qui est un peu présentée comme le premier rempart face donc à ce virus invisible, à l'œil nu, c'est clair, forme atomique, mais qui évidemment cause donc des désastres sans précédent. Alors justement, dans cette
solidarité, on a envie de dire agissante, elle se manifeste de différentes façons. Voilà. Que l'on soit en Côte d'Ivoire, en France, en Italie ou au Niger, on va d'ailleurs regarder cette petite vidéo plutôt sympathique. Une vidéo qui rentre toujours dans le cadre de la sensibilisation. Alors, 20 ans en arrière, j'aurais pu traduire pour vous littéralement ce qu'elle dit. Voilà, c'est cette dame. Mais bon, en gros, à travers les images, on peut quand même deviner qu'il s'agit de la sensibilisation. Il faut se laver les mains. Voilà. Est-ce que ce scénario, enfin, cette situation, vous l'avez vu venir au niveau des PME? Ou est-ce que vous avez, dans vos projections, imaginé un jour qu'il y aurait peut-être un désastre ou un chaos de ce type qui vous conduirait tout simplement à l'arrêt de vos activités? C'est vrai que très souvent, à la télé, avec les films de fiction américains vous pouvez le dire, hein, pas trop qu'on nous faisait passer, ouais. On se disait, oh, ça c'est juste de la fiction, ça n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans la situation comme ça, où tout le monde entier pratiquement est confiné, tout le monde entier est chacun dans son coin. Mm-hmm. Les grandes puissances même sont déjà couchées. Alors, c'est à se demander si les gens n'avaient pas prévu ça. Comment c'est venu? Comme disait d'ailleurs une journaliste turque sur un plateau occidental, au lendemain des attentats du World Trade Center, qui disait les Américains ont rêvé de la catastrophe, et voici que la catastrophe se produit. Enfin, exactement. Juste pour abonder dans ce que vous dites. Augustin Célicoy? Non, nous ne sommes pas préparés à cela. Mm-hmm. Ça a été une grosse surprise. La preuve en est que personne n'a pris des dispositions pour... Aujourd'hui, nous sommes obligés de pleurer pour dire reporter les loyers ou l'État aidez-nous à payer les loyers, reporter les factures d'électricité ou l'État aidez-nous à payer les factures d'électricité ou d'eau parce que ce n'était pas prévu. Et puis aujourd'hui, il faut dire que c'est vrai, nous discutons des PME, mais il faut que nous discutions aussi des hommes. Nous prions que les autorités sollicitent l'expertise, même si elle est d'ailleurs, pour qu'une solution soit vite trouvée. Sinon, nous partons droit vers la catastrophe humaine. D'accord. Vous savez que les PME qu'on appelle généralement, qui interviennent dans le secteur dit informel, sont ces PME-là qui emploient la petite classe sociale. Aujourd'hui, ces PME étant au point mort, mais ces personnes-là vivent de quoi avec leur famille? Vous savez, je donne un petit exemple, il y a des filles mères qui travaillent dans des restaurants ou dans des maquis, absolument, qui dorment là, qui mangent là et attendent la fin du mois pour percevoir un petit revenu à partager entre l'enfant la maman ou les parents. Mais si aujourd'hui, même la pitance quotidienne n'est pas assurée, mais et la suite, elle est confinée, elle va vivre de quoi? Et où elle se trouve, puisque le restaurant est fermé, elle ne sait plus où dormir. C'est une autre situation à laquelle on n'a pas absolument pensé. Absolument. Encore une fois, comme pour dire qu'on est dans une situation critique. Et voilà. Pour aborder dans son sens, nous, dans notre secteur, on est complètement arrêtés. Mm-hmm. Nos agents, les agents de tourisme, nos agents de comptoir, on est obligés de les mettre en chômage technique. Nous avons attendu un mois pour voir ce qui allait se passer. Et là, nous sommes à la fin du mois de mars. Mm-hmm. Il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous retourner vers l'inspection du travail pour demander la mise en chômage technique. Mais on a la possibilité de le faire que pour un mois ou deux maximum.
après ce personnel-là, qu'est-ce qu'il devient? La crise va finir quand? On ne sait pas. C'est venu brusquement. On n'a rien préparé. Ce n'était pas prévu, comme on a dit. Depuis le début du mois de mars, tout est descendu et nos activités se sont arrêtées. Vous êtes complètement à l'arrêt. On est complètement à l'arrêt. Princesse. Le personnel, il n'y a plus d'activité. Il faut absolument que quelque chose soit fait pour que ça finisse. Alors, pour prévenir ce type d'urgence, pourquoi ne pas créer un comité de veille économique de votre côté? Non, mais quand on parle de FIPME, mais c'est l'État même qui a créé en 1994 cette organisation pour regrouper toutes les associations professionnelles des petites et moyennes entreprises. C'est pour être l'interlocuteur direct de l'État. Différent du MPME, le mouvement des PME? MPME à l'intérieur d'accord, des FIPME, membres des FIPME. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, toutes les propositions ont été faites, les différentes associations, il y en a 30, qui ont plusieurs entreprises en leur sein. La FIPME compte aujourd'hui 9000 membres. Donc, quand on parle de membres, ça veut dire que ce sont des entreprises. C'est cela. Or, quand vous allez aux impôts, ils vous diront, nous avons fiché ici 30 000 PME. 60 000 PME. Vous n'en avez que 9 000. À la CNPS, ils vont vous dire 30 000. Vous allez à la Chambre de commerce, ils ont un autre chiffre différent. Bon, nous sommes en train de régler la question pour avoir un chiffre exact, à peu près exact pour tout le monde. Mais il faut vous dire que ces nombreuses PME qui vivent, on dit bien, quand les PME vivent, quelles que soient les difficultés du pays, le pays vit. Si les PME sont à genoux, c'est le pays qui est en genoux. C'est pour cela que nous avons déjà porté plusieurs propositions et nous vous remercions aujourd'hui grâce à votre chaîne de télévision. Les gens sauront que leur fêtière a déjà porté les propositions. Et nous attendons le retour du décideur. Et du coup, comment voyez-vous l'avenir des PME qui sont en relation commerciale avec la Chine? La Chine. Mais merci de parler de la Chine. De la France d'ailleurs ou du Maroc qui sont... Oui, non, j'en viens. Nous avons tous appris ici que le pays qui était le plus touché était la Chine. Aujourd'hui, nous apprenons encore avec les mêmes médias que la Chine a repris ses activités parce qu'elle a su vaincre le mal. C'est cela. Mais pourquoi les autres pays ne sollicitent pas l'expertise chinoise pour éradiquer ce mal-là? Il faut copier ce qui est bon. Il faut solliciter celui qui est bon pour être bien. Donc, nous disons, la première des choses que je demande, c'est de permettre à la majorité de s'auto-détecter. En Chine, nous avons vu à travers les médias... Auto-dépistage ? Oui, auto-dépistage. Nous avons vu à travers les médias qu'en Chine, ils avaient rendu dans tous les portables un logiciel qui permettait à l'entrée des surfaces de s'auto-dépister pour voir si vous êtes sensiblement atteint ou pas. Si vous n'êtes pas atteint, vous avez accès. Si vous êtes atteint, vous allez vers les centres de santé. Mais il faudrait que ces genres de logiciels-là soient apportés de même pour qu'on sache si, même quand on est confiné, est-ce qu'il n'y a pas ces signes qui apparaissent chez quelqu'un ou pas? Parce que les médecins qui travaillent aujourd'hui là-dessus ne sont pas nombreux pour avoir accès à tous les ménages, à toutes les portes. Donc, il faut qu'on trouve cela et ça peut être l'une déjà des solutions. Puisque des dispositifs ont été déjà mis en place, si les gens peuvent se détecter, mais ils iront vers pour qu'ils soient soignés. Mais pour le moment, chacun est là. Bon, j'espère que je n'ai pas, je suis là, machin. Mais nous avons beaucoup de cours communes. Donc, il faut favoriser l'auto-dépistage. Voilà. Si ce n'est pas fait, mais on va vers... Je disais qu'on allait vers la catastrophe humaine. C'est cela, absolument. Vous parlez de cours communes, évidemment. C'est une question sensible sur laquelle il faut absolument qu'on revienne. Voilà. Parce que quand on parle de confinement, c'est bien beau dans les appartements, mais dans la cour commune, ce n'est pas du tout évident. On marque une pause. On revient dans quelques petits instants seulement pour la suite de ces échanges. We'll be right back.
la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI. Il y a le Covid, mais il faut garder forcément espoir. Il faut rester surtout discipliné. La clé du succès, la clé de la victoire sur le Covid est indiscutablement la discipline. Et on ne le cessera, on ne cessera jamais de le souligner, de le dire. Princesse, le kiff du web ce soir, c'est l'assassin du corona ou l'assassinat du corona, quoi. Je pense que de nos jours, vous avez remarqué que quand on tousse, on éternue. C'est une situation, on ne dit plus... À vos souhaits, on dit « tu es vaincu ». Donc, on va voir quelqu'un qui a voulu assassiner le corona. Wow. D'accord, bon écoutez, il faut qu'il fasse attention au retour de bâton. Quand vous tapez, s'il y a un rebond, on ne sait jamais. Bon, à force de vouloir assassiner ce virus qu'on ne voit pas, on risque de se faire mal soi-même. Dans vos entreprises respectives, tout de même, vous appliquez les mesures sanitaires, les fameux gestes barrières et tout ? Obligatoire. Oui, bon, vous, c'est fermé, bon, d'accord. Pour nous, c'est obligatoire. Oui, obligatoire, d'accord. OK, la distance... Ça peut être un motif de sanction. D'accord, OK. Voilà. Vous utilisez aussi, j'imagine, de l'eau au savon ou du gel hydroalcoolique? Nous, les deux, mais nous conseillons plus de l'eau avec du savon. D'accord. Parce que nous conseillons moins les gants. Oui, absolument. C'est bien de le faire, d'ailleurs. Nous conseillons le gel. D'ailleurs, même chaque employé en a dans sa poche. OK. Voilà. Et est-ce que vous avez cherché à savoir comment ces gels sont utilisés? Est-ce que c'est bien utilisé, non. À quelle fréquence et tout? Oui, c'est bien utilisé parce que avant l'échange de documentaires ou bien échange d'outils, oui. Il faut, pour ne pas transmettre ça à partir des éléments d'accord. qu'on échange, oui. Et puis dès qu'on trouve de l'eau, oui. La première des choses, c'est de se laver les mains d'abord pour repartir à zéro. OK. Et puis ensuite encore, quand... par exemple, ils sont assis dans le véhicule, uh-huh. À leur descente, ils doivent mettre leur gel avant de... parce que le siège peut comporter... Mais est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec cette histoire de gel? Non, puisque... Trop de viande ne gâte pas la sauce, c'est voilà, ça? Voilà, non seulement cela, mais le virus, les microbes sont invisibles à l'œil nu. OK, mais je vois que vous êtes très attaché au gel. Décidément, à titre personnel et aussi dans le cadre de votre entreprise. On va justement regarder cet usage un peu particulier du gel. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur cette question du gel hydroalcoolique. Alors, si vous supprenez un de vos employés en train de se brosser avec du gel, c'est bon? Non, ça, c'est, on dit bien, non-application des règles, c'est un motif de sanction. Donc, vous mettez de la sorte, là Non, mais attends, on a expliqué, oui. On a montré ce qui est gel, donc ce qui va dans la main. C'est ça. On a montré, et rien ne va dans la bouche. Bon, OK. Parce que le savon, l'eau, ouais. C'est dans la main. Okay. Le gel, c'est dans la main. Donc, okay. Celui qui porte à la bouche, d'accord. C'est une provocation. D'accord. Non, mais il y en a qui se disent, parfois, il faut en faire un peu plus aussi. Hein. C'est pas mal, quoi. Non, mais pourquoi il n'en met pas dans les narines? Ah, j'en connais. Bon, OK. Bon, on a vu une vidéo, effectivement, de Princesse, il y a quelques jours, où elle détaillait un peu l'utilisation du gel en fonction des quartiers. Enfin, c'est des quartiers, des ethnies, des communes, ouais. En fonction des communes, voilà, et tout. Et bon... À Yopougon, apparemment, ils ouvrent et ils boivent carrément. Non, ah, c'est ce que disait la vidéo. On marque une pause, on revient dans quelques instants.
Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On était ce soir en compagnie de Hawa Fofana, membre de la Fédération nationale des entreprises intervenant dans le domaine du tourisme, et également de Augustin Dago Sérigba, administrateur de la Fédération ivoirienne des PME. Pierre, vous aviez un petit point. Oui, peut-être un petit mot de fin, c'est dire que ça a été annoncé, donc il y aura une évaluation de l'impact économique et financier en concertation avec le secteur privé pour soutenir l'appareil économique. Donc ces solutions, elles vont arriver. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quand est-ce qu'elles vont arriver, parce qu'il y a déjà des opérateurs économiques qui sont à l'arrêt et que de toute façon, il va falloir un plan de relance. Donc il faut savoir si on veut aider des entreprises à continuer plutôt que d'avoir un plan de relance qui sera beaucoup plus lourd avec des entreprises qui sont à l'arrêt et que ce soit beaucoup plus difficile. D'accord, très bien. Alors, vous parliez, Augustin Dago, à un moment donné, de stress qui pèse sur les entreprises, mais de façon générale, en termes psychologiques, il faut être fort. C'est une bataille qui s'annonce rude. D'un côté, l'humanité et donc l'existence des hommes, et de l'autre côté, donc, ce fameux virus. Donc, il faut être fort psychologiquement. C'est un peu, d'ailleurs, le message que passait Yaya Karamoko, qui est virologue. Il était de passage ce dimanche sur le plateau de NCI 360. On écoute justement son message en quelques secondes. On revient juste après. À propos d'espoir, il ne faut pas que l'angoisse vienne affaiblir aussi le système immunitaire. C'est vrai qu'en science, le système immunitaire, on parle de compétences, on ne parle pas vraiment de booster, mais on parle d'éviter ce qui va nuire. L'angoisse peut nuire. Personne n'est condamné. Même ceux qui ont des maladies chroniques, ce n'est pas de la condamnation. On prend des mesures, on essaie de faire un peu plus attention à sa santé, et en faisant cela, on doit garder de l'espoir, il ne faudrait pas que l'angoisse l'emporte. Il faut sourire évidemment à la vie, il faut rester positif en cette période de coronavirus. C'est une guerre biologique, pour parler un peu comme Alpha Blondy, mais cette guerre doit être remportée par les humains. Il faut être fort dans la tête. Et ça, les Congolais, je pense, l'ont parfaitement compris. Alors, hormis la tonalité qui est très triste, je dois avouer qu'il pose très bien d'ailleurs ce chanteur, avec une belle rythmique de base qui n'est pas plus mal. En gros, pour la traduction, l'idée générale, c'est on a déjà affaire au paludisme qu'on arrive à vaincre plus ou moins avec les insecticides et tout. Voici une maladie qui est venue de chez les Blancs, ça c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il faut absolument donc qu'on fasse bloc et qu'on résiste donc à cette pandémie. Pour la partie sénégalaise, je ne vais pas la traduire, mais bon, je pourrais vous renseigner pour en savoir un peu plus. Merci à Hawa Fofana d'être passé par la télé d'ici. Merci à Augustin Sérigba, administrateur de la FIPME, d'être passé par la télé d'ici. Merci à Pierre et à Princesse. On vous laisse en compagnie de Mélissa, qui s'est révélée d'ailleurs en 2002 avec la formation Harpe de David. Depuis quelques années, elle évolue en solo. Elle est notamment passée par l'INSAC. Elle a fait les chœurs de bien d'artistes et elle est désormais auteur-compositeur. Ce soir, elle nous reprend deux titres sur la scène de la télé d'ici, Maria Valencia de Feu, Papa Wemba et Liberté, donc une composition propre. On se retrouve demain d'ici d'Atéker. Mélissa, right now. Yeah.
À tous ceux qui ont perdu des proches durant cette pandémie. Corona, yeah. Big up. Parler, yeah. J'ai vu l'amour dans ton
le plus important, malgré la maladie, aime-nous. Aime ton prochain, protège-toi, protège-moi. Bravo Mélissa, merci d'applaudir Mélissa. Merci à vous.